que Pacifiste, il s'est fait mettre au cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la zone de Saint-Denis? Tefsoutine, qu'on a vu, qu'on a trouvé, j'ai envie de vous dire, un petit peu attentiste, Jean-Paul. En tout cas, il est sur la réserve, il est sur la défensive. Il n'arrive pas à casser la distance, il n'arrive pas à venir dans sa filière à lui, qui est plutôt le clinch, qui est plutôt le travail avec les genoux. Et puis, aussi à cause de Bobo Sacco, et on va voir si dans cette troisième reprise, eh bien, les choses vont un petit peu évoluer. Aussi, Bobo Sacco va conserver son avantage de distance. On l'a vu, voilà, avec cette double esquive. Les choses vont évoluer pour le Thaïlandais, hein, parce que de toute façon, il est en train de perdre, là, au moins. Il faut dans cette reprise charnière, la troisième, il s'exprime différemment, il arrive à marquer des coups. Alors est-ce qu'il en a les moyens maintenant? Grande taille, il y a l'énergie de Bobo Sacco. Peut-être un boxeur fatigué, tel shooting, il a exercé son être dans le combat, longtemps. Enfin, il présente encore de très bonnes qualités physiques, on voit au niveau de son jeu de jambes. Oui, et puis on peut peut-être dire à Jean-Paul que finalement Bobo Sacco. Je ne vois pas, si au rythme dans le combat. Ce chaos subi face à Kouliaba est peut-être un accident qu'il vaut beaucoup mieux que ça et que ce combat lui permet, vous parliez de réduction tout à l'heure, lui permet de repartir. C'est le premier clic qu'on voit depuis le début de ce combat.